on l'attendait cette nouvelle édition là aussi, ça faisait longtemps. Donc c'est cool, c'est cool. On est bien content de s'être énervé pour choper les places assez tôt pour pouvoir venir profiter de ce petit moment là. Ça va être cool. Vous vous connaissez Amframan? Oui, bien sûr. Donc ça fait 10 ans quoi, pour vous, c'est un festival, vous diriez quoi, c'est un petit festival, c'est un festival installé? C'est, à Rennes, c'est installé, je pense qu'aujourd'hui tu parles d'un From Rennes, et, les Rennais connaissent. Peut-être plus les Rennais, je sais pas si je m'avance un peu, trentenaire peut-être, plus. Mais moi je suis arrivé en 2016 ici et c'était direct le coup de cœur. On s'est direct fait pas mal de soirées au One, c'est à profiter d'un From Rennes et c'est bien cool, ouais. Je me suis posé des questions sur comment travailler, puisque les autres fois on va plutôt voir plein de concerts ou on se fait conseiller aussi par d'autres personnes qui nous disent tiens, ce serait bien que tu ailles voir ce groupe là ou ce groupe là. Là c'était vraiment pas possible, on a pu en voir quelques-uns mais pas tous. Donc il y a eu certains groupes qui avaient déjà été programmés l'année dernière qu'on a recalé cette année. Autrement, c'est passé par énormément de discussions, c'est-à-dire de l'écoute. Il y a eu quelquefois des petits lives ou des petits clips de faits et puis de discuter surtout avec les artistes, savoir où ils en étaient et vers où ils avaient envie d'aller. Et du coup, c'est comme ça qu'on pense sur quelle scène on peut leur proposer quelque chose. Ne pas oublier quelque chose aussi, faire confiance aux artistes, parce qu'il y a des artistes qu'on n'a jamais vus sur scène et à qui on a fait confiance cette année. Franchement, c'est un boulot de dingue. On se sent hyper soutenu. C'est un pur bonheur, un pur cadeau. On était hyper contents d'être là ce soir. C'était vraiment un moment magique. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi.